Bonjour, je m'appelle Corinne Coquillat et je suis étudiante en santé numérique. La santé numérique, c'est une expertise qui va en regrouper plusieurs autres, incluant les sciences de la santé, les sciences sociales et humaines et les sciences des technologies de l'information. Et tout ça dans le but ultime d'améliorer les soins qu'on offre aux patients, mais également la santé des populations. Ça peut se matérialiser, entre autres, par des outils technologiques comme les objets connectés ou le fameux dossier de santé numérique. Je suis arrivée à l'ESPUM en tant qu'étudiante en administration des services de santé, profil gestion, puis par la suite, j'ai travaillé dans le réseau, donc en tant qu'agente en amélioration continue au CIUSSS du Nord de l'île de Montréal et au CUSM en tant que pilote clinique en télésanté. Et c'est ce qui m'a vraiment donné le goût de poursuivre santé numérique puisque je voyais le potentiel que le numérique pouvait apporter aux patients et dans nos projets. J'ai choisi de poursuivre dans ce programme puisque, en travaillant en télésanté au CUSM, j'ai remarqué qu'il y avait des compétences que je n'avais pas nécessairement acquises dans tout ce qui était la conception ou l'analyse des systèmes d'information. Donc, c'était plus difficile pour moi d'accompagner certains cliniciens à développer une offre de services en télésanté. Ce qui m'a particulièrement impressionnée de ce programme-là, c'est la diversité non seulement de son corps professoral qui viennent d'expertise et de divers horizons, mais aussi de la communauté étudiante. Donc, j'ai vraiment appris avec mes collègues qui proviennent autant des sciences de la santé en tant qu'infirmière, médecin, des professionnels en gestion. Et tout ça, je trouve ça extrêmement riche et je pense que c'est une particularité qu'on retrouve dans ce programme qui se différencie des autres programmes. J'ai adoré mon parcours à l'ESPUM, ça m'a permis vraiment de tomber sur mon X, donc tout ce qui traite à la gestion du système de santé. À la base, moi, je voulais intervenir auprès du patient, puis j'ai vu que ce n'était pas nécessairement pour moi, mais que je voulais tout de même contribuer à la santé des populations. Donc, ça a été la manière pour moi de trouver ce que je voulais faire et de travailler davantage en performance et en qualité des soins.